Et inoubliable. Comme chaque année, Sens va s'illuminer et briller de mille feux pour accueillir les fêtes de fin d'année. On peut féliciter les équipes de Leblanc qui ont créé tous ces beaux motifs et les équipes d'Eiffage qui les ont installés dans notre ville. On peut les applaudir. On espère que ça va marcher. On aurait dû attendre effectivement avant de les applaudir. Et qui de mieux pour lancer cette féerie lumineuse que notre invité d'honneur venu directement du pôle Nord, le Père Noël en personne. Et vous avez vu qu'il est venu avec ses chiens de traîneau, son lutin, et ils sont garés juste derrière. Donc il est venu vraiment bien accompagné. Cher Père Noël, je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Et c'est un honneur que vous fassiez une halte chez nous à Sens avant la grande tournée qui s'apprête. Mes amis, ce soir, nous célébrons bien plus que le lancement des illuminations. Nous célébrons la magie de Noël, l'esprit de partage et de convivialité qui caractérise notre belle ville de Sens. Regardez autour de vous, voyez comme notre cité s'embellit avec ce grand sapin qui trône fièrement sur notre place. Et ces illuminations qui, dans quelques minutes, vont transformer nos rues en une véritable histoire et un conte de fées. Ce mois de décembre sera riche en émotions et en découvertes. Bien sûr, il y aura les traditionnels rendez-vous et attendus. Le marché de Noël la semaine prochaine. C'est plus pour vos parents, ça, d'ailleurs. Pour qu'ils puissent boire un petit vin chaud avant les fêtes. Où vous allez trouver mille et un trésors de gourmandise. Le jardin d'enfants qui est niché dans la cour de l'hôtel de ville. Un espace enchanté où les petits pourront rêver et s'amuser entourés de la magie de Noël. Qui sont les enfants qui sont déjà allés voir le petit jardin? Bon, bah juste après, vous y allez. Mais cette année comporte son lot de nouveautés. Et je tiens à remercier Clarisse Quentin qui s'est mobilisée sur le sujet et les agents de la ville, Karine, Elodie, Peggy, Catherine, Lydie et Johan, pour leur inventivité et leur envie à donner un nouvel élan aux animations du mois de décembre. Tout ça, c'est grâce à eux, on peut les applaudir. Parmi donc les nouveautés cette année, nous vous donnons rendez-vous les vendredis et samedis soirs de décembre pour la nouvelle activité qui s'appelle « Glaçons la note ». Des moments festifs sur la place de la République pour danser, chanter et se retrouver dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Et je crois que ça commence dès ce soir, juste ici. Tous les samedis de décembre, les enfants auront la possibilité de se transformer en petits détectives et faire un jeu de piste dans les rues du centre-ville. Autre nouveauté, le cocon de Noël, une animation qui est prévue spécialement pour les familles. Pendant les vacances scolaires, nous vous donnons rendez-vous à la poterne, les mercredis, jeudis et vendredis, au programme jeux de société, scrapbooking, conte de Noël, magie, maquillage. Sans oublier les boissons et petits goûters de Noël. Nous espérons que les parents et enfants, et peut-être même grands-parents, partageront de beaux moments de complicité et de détente. J'espère que ces nouvelles initiatives plairont aux petits et aux grands. Elles illustrent notre désir de faire de Sens une ville où chacun, en fonction de l'année, a une occasion de se rassembler, de célébrer et de créer des souvenirs inoubliables. Alors sans plus attendre, Père Noël, très cher Père Noël, je vais vous laisser la lourde tâche, avec peut-être deux enfants qu'on va sélectionner, d'illuminer notre ville. Et à vous tous, je souhaite des fêtes pleines de joie, de rire et de partage, que ces moments soient gravés dans vos cœurs et vous apportent bonheur et félicité. Vive Sens et vive Noël! Et on remercie aussi la chorale gospel qui a déjà commencé à mettre une très belle ambiance, on peut les applaudir. On va faire le décompte. Alors, on va faire un décompte avec les enfants et le Père Noël. Très doucement le décompte. Chacun retient son souffle pour que tout s'illumine. Le responsable des phages est là. Si ça ne marche pas, vous allez le voir. Vous êtes prêts les enfants ou pas? On va faire le chrono ensemble, ok? Allez, on y va. Vous savez compter jusqu'à 10 en arrière? Oui? En arrière, hein? Alors, c'est, voilà, c'est parti. 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, on appuie, c'est parti! Ouais!
et son traîneau. Gospel apostolique de Melun. On est venu vous interpréter quelques chants de Noël et également traditionnel gospel. Alors on espère que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie. Il fait froid. N'hésitez pas à utiliser votre corps, vos mains, vos pieds, vos voix et bien se réchauffer. Est-ce que vous êtes prêts? Attends, j'ai rien entendu là.